La capacité de la reine à compartimenter a été extrêmement utile dans sa vie, au milieu d'une année particulièrement difficile pour le monarque, selon l'expert royal Ingrid Seward. La reine est mentalement disciplinée, et cela explique en grande partie sa capacité à encore travailler à 95 ans, a déclaré un expert royal. Cette année a été une année particulièrement difficile pour le monarque. Notamment en avril, son mari bien-aimé, le prince Philippe, est décédé à l'âge de 99 ans. Elle a également souffert de problèmes de santé qui l'ont vu se reposer sur les ordres des médecins et n'effectuer que des tâches légères telles que des audiences virtuelles après avoir passé une nuit à l'hôpital pour des tests préliminaires en octobre. Elle s'est ensuite fait une entorse au dos, l'obligeant à se retirer du service annuel du dimanche du souvenir au cénotaphe du centre de Londres, et la biographe de longue date de la reine Ingrid Seward a déclaré au magazine People que sa capacité à compartimenter a été extrêmement utile dans sa vie, alors qu'elle jongle avec la famille avec son rôle public. Ingrid a ajouté, fondamentalement, elle met les choses dans une boîte et dit cela peut être traité jeudi, par exemple. Elle ne laissera pas les choses s'entasser sur elle. Elle est mentalement disciplinée et cela l'a aidée à traverser ses 70 ans, cela lui a permis de faire face à toutes les choses et de ne pas laisser les choses la submerger. Cela explique en grande partie sa capacité à pouvoir continuer à travailler à cet âge. Ces commentaires interviennent après que la semaine dernière, il a été signalé que la reine tiendrait sa réunion de Noël familial habituelle à Sandringham et pourrait faire une apparition publique pour la première fois depuis le début de l'automne. Le monarque et Philippe ont passé Noël dernier seul alors qu'ils se protégeaient au château de Windsor et il s'est avéré que c'était leur dernière saison des fêtes ensemble. Mais il semble que la pandémie de Covid n'obligera pas la reine à annuler sa réunion de famille habituelle pour la deuxième année consécutive.